Welcome, everybody. Welcome to you all, wherever you are listening to this show. Today is Saturday, August 7th, 2021. You're listening to DLS and 226 episode today. Welcome to DLS. My name is Daniel, and if you're listening for the first time, welcome to you. The radio station is La Tribune FM 91.1. It's the emergency frequency. Hello, YouTube. Welcome to the class. Welcome, everybody. Welcome, Marie-Michel. Welcome, teacher Striker. Buenos dias, Marie-Michel. Now, Gunny Alan got the Buenos Tardes. Jean-René, welcome to you, Manu. Welcome, Leon Creole Cuisine. Welcome, Houston. Osam Bijou, welcome. Welcome, everybody. Today, you are listening to 226 episode today. The show is DLS every Saturday on this radio station, 91.13w.latibuni.com, wherever you can listen to the show. It's a great pleasure again to meet you, to be there with you. In front of this mic, as usual every Saturday. DLS. 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 Please share the live. Let me do it for you. Let me try to share the live, ladies and gents. And let me try to check the sound. Tell me if the sound is okay. Mikael Silencio, hello.
Radio La Tibonite. Welcome back. As you know, this broadcast always start with a quote. And what's the quote for today? Qui citation pour aujourd'hui? Alors, citation pour aujourd'hui, liée sorti de H.G. Wells qui dit parole ça. If you fell down yesterday, stand up today. Il dit, if you fell down yesterday, stand up today. Eh bien, si vous êtes échoué ou bien si vous êtes tombé hier, eh bien, campez aujourd'hui. Hein, c'est juste pour le dire, pas jamais baisser les bras. C'est une citation de H.G. Wells. Let's say welcome, 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 Altes, Cameus, welcome, Gerlins, welcome, welcome, Myrlène, welcome, Gilda Charles. Et sorry si je prononce quelques mots, je prononce quelques noms mal. Comprenez-moi pour ça. Yes, let's say hello, hello everybody, hello Saint-Marc, hello Gonaïve, hello Anse-Rouge, Saint-Michel et Mirbalet, Ponsondé et des Dunes, La Gonave. Lester, Monsondé, Janton, nous saluons nous toutes, mon lien Kouyo, mon petite rivière de la Tibonitio, nous saluons quel que soit côté nouillé, mon pombe noir, bonjour, nous saluons mon savane boulé, Post-Pierre, nous saluons nous toutes, mon autre Saint-Marc, ça fait quelques temps nous la guénons. On ne sait pas que la gay émission. Salut Jodner, salut Violon, Janine, Peterson, salut tout le monde qui attend l'émission ça. It's DLS. Yes, émission, c'est émission DLS. Listen. Les langues vivantes depuis la tour de Babel font préjudice à l'humanité vu leur diversité et leur multiplicité. L'homme postmoderne de ces 6500 langues de la planète se fait l'idée d'universaliser quelques-unes, dont l'anglais et l'espagnol, de manière à simplifier la globalisation. Ça, on peut bien le comprendre. Et la perle des Antilles doit se mettre au pas. Et pour diriger vos pas, les teachers Duke and Daniel se prennent rendez-vous avec vous tous les samedis de 6h à 8h du soir
à DLS, Didi's English Learning Radio Show. Quatre principales rubriques vont s'écrire en majuscules à l'ordre de ce merveilleux rendez-vous des langues sur la fréquence de l'heure. Online English. Me gusta español. Connaissance plus. And one song, one star. Avec DLS, vous avez l'anglais et l'espagnol chez vous partout. Reprise dimanche, 8h, 10h du soir. M'a profité saluer un grand, m'a salué Octale Fenelus qui est absolument nous là. M'a salué Anderline Nathan depuis Bahamas. Robin Emmanuel, salutations très spéciales à nous toutes. What's today's topic or subject? What is the topic for today, or what is today's topic? Today's topic is it's 50 instead of let me try to correct it. Va me corriger li là. Yeah, today's subject is 50 English questions to better your speaking. C'est 50 questions anglais capable améliorer anglais ou capable améliorer et bon mettre anglais deux fois, c'est 50 questions capable améliorer anglais. Ah bien c'est ça que on a gagné jodi à là dans l'émission 1, 50 questions qui a améliorer anglais. Bien que c'est de bagaille qui part trop au niveau de, c'est de choses basiques, même espère que un pile monde qui apprend anglais a capable apprendre un pile bagaille là-dedans yo. Et non seulement ça tout a bien l'autre monde qui a apprendre créole yo, parce que il y a plusieurs étrangers y compris haïtiens et d'origine américaine ou bien l'autre nationalité qui habitué à prendre créole, mais grand pile l'autre étranger tout qui pas connaît qui pas haïtien du tout qui connait fencine que il a pas prendre créole et sous Chanel là. Bien que Chanel ça a la bien professeur créole la donne bientôt, mais pendant nous même nous fait quoi, nous fait anglais créole, ça permet que moun yo capable joindre quelques petits mots créole dans émission ou bien dans vidéo que nous laguer sur li. Jodi a encore nous pral apprendre jodi samedi ça sous 8 jours encore parce que émission fait chaque samedi et puis we want yo rediffusion yo fait dimanche sur radio Latibonite 91.1 et chaque dimanche depuis le fait 8h pour arriver et 10h à soir, mais émission passée et live chaque samedi et 6h pour 8h dans à soir. Good afternoon, Nancy. Hello, Dabelle. Famille, hello, depuis New York, hello. Okay. Hey. Ma fait nous connaît que émission ça li joine support et DLS Institute qui c'est un institut de langue et un institut professionnel qui gagne langue anglais, français, espagnol la donne que je joine moi-même qui c'est responsable et institut ça et une responsable pour joindre moi-même qui a passé en anglais si ou dans ville Saint-Marc et puis ou joindre la donne espagnol et français et l'autre technique métier technique yo a besoin carrelage électricité plomberie
ou a besoin aussi et auto-école et make-up, ça nous dit maquillage. Donc n'a besoin montage vidéo, n'a besoin plomberie, électricité, j'aime dire nous, n'a besoin un sap de métier en dans institution ça qui c'est DLS Institute qui loge dans collège Mix numéro 74 dans local collège Mix Ebenezer La Syrie Saint-Marc. Ensuite nous gagnons UNADA Université Award Haïti. Université Award Haïti qui c'est une université que ou doit faire choix de lit, eh bien c'est une université qui résout un problème fondamental qui habitué gagner dans département ou du moins dans base à Tibonite là qui c'est jeune yo là au fin avec études classiques yo pour yo monter c'est dans l'autre ville obligé aller bon. UNADA Université Award d'Haïti résout problèmes à dans question et études. Donc aller dans UNADA, elle fait choix de faculté pour là vinn moun ki te rêvé vini hein. UNADA c'est le meilleur côté qui capable aider rêve ou réaliser. Li dans numéro 74 La Syrie dans le même local avec collège Mix Ebenezer. Même gens après tout qui a passé en bas écran, nous gagnons Radio La Tibonite. Bon, me dit ça. Après, nous gagnons Collège Mix Ebenezer. C'est une moun qui est émission ça, Collège Mix Ebenezer, qui c'est une institution qui gagne des années depuis la paix formée, la bypain de l'instruction avec tout le monde qui a vivre dans le département, tout le monde qui a vivre dans la ville Saint-Marc, avec toute l'autre zone qui environne Lyon. Donc, c'est là pour tout le aller. Si vous même ou dans Ponsondé, ou dans l'Esther, ou l'autre côté là, hein, ou capable de venir dans le collège Mix Ebenezer, si tout le petit, donc, il est capable d'aller parce que gagne. Pour lui, dans le kindergarten, nan, ou abjouen moi-même tout en anglais, à cap montrer si moun apprenne comment vous le dit maman, papa en anglais, tout ça, chanter. Donc, si moun nou yo, yo nou aide ou développer capacité que yon yon la ka yo, dans le collège Mix Ebenezer, c'est là pour vous et si moun nou, hein? DLS. Eh bien, dans même collège Mix Ebenezer, gain secondaire, gain primaire secondaire, eh bien ou capable voyer ti moun nan dans quel que soit cycle là, ou capable voyer ti moun nan dans collège Mix Ebenezer. L'autre gros maman papa causé c'est Radio La Tibonite, c'est grâce avec lui même qui n'a fait n'attendre stéréo là. Voyez publicité dans la radio La Tibonite parce que non seulement publicité a et radio a depuis là joué l'itouri tiré crasse sous lui parce que gon gens sont à venir ba rentrer dans n'importe oreille comme ça vous comprenez parce que moun yo fait et La Tibonite confiance yo fait La Tibonite confiance ou capable ba sport ou là et puis plus moun tande là. Hey, Jean Wilson, hello, Maryse, Jay Fouquet, Telsin, welcome to the show. Let me back to the topic today. Donc, le show ça nous va gagner Leonard Sinnard. Côté ces étudiants yo k'ap fè interaction avec moi. Côté moun k'ap tande myo sou radio a avec moun ki ap suiv moi yo la sou YouTube, mes amis, partagez live là parce que pour tout moun gen sou channel za la trop petit moun hein. Need more people, partagez. Et moun ki la, on espère que nous au clavier. Et deuxièmement, m'a ba nou possibilité pour nous capable possibilité pour nous ka entrer dans live là tout pour nous participer pour nous parler. Si nous voulez interagir après.
Donc dans question ça yo nous pral apprendre là anglais créole donc nous pral apprendre ensemble. Mais faut que nous actif disons. Dis-nous si n'a pas actif et commentez pour moi et puis numéro de téléphone moi pour nous texte moi. Moi nouveau sous channel là et bien sous nouveau sous channel là ou déjà comme ça ou à faire. Donc si vous intéressé avec anglais, il pas l'autre que abonner et puis checker sous petit cloche notification mettez-li. Mettez-le sous toutes. Toujours joindre tout ça n'a publié sous channel là. Est-ce que nous là? Tell me if you're there. If you are there, if you're ready, type yes. Type yes, please. Si nous là, tapez yes tout le monde. Et voyez moun l'autre moun qui suivent nous sur radio, tapez yes s'il vous plaît. Voyez yes dans 36 51 23 64. Fait me connaît nous là, fait me connaît nous avec parce que là c'est nous tout qui a travaillé ensemble là. Hein? Émission c'est ensemble que n'a fait là. Ensemble que n'a fait. Moi déjà gain yes, mettez yes. Si nous là, est-ce que nous là nous prend aller sous clavier nous là rapide pour écrire quelques petites phrases parce que nous prend le fond on pratique ensemble là avec deux et avec deux phrases question disons. I am looking Marison. Marison Henry. Mettez yes, hi Erlin. We have about 50 questions today. Partagez live là, on besoin plus moun là, moi gagne 51 moun seulement pour un channel qui gagne n'importe 46 000 moun. Non bah là pas marché bien. Partagez mes amis hein. On pas pressé dans mes non encore hein. Hello Coffee, partagez chaque monde qui monte, c'est partager le groupe, partager le quel que soit côté A. Parce que nap enjoy sainement, sans problème, sans violence, sans bagaille malsain. C'est éducation en nous supporter en aller. Let's go! Ready! Montez live là, moumoué! Hudson, God bless you too, brother. Montez live là pour moi. Salut, salut, Innocent Jean-Laurent. That's right, teacher. Share. Et Arline, c'est partagé. God bless you, Astrel Préville. God bless you, brother. Radio. Ok, nous bralez, oui? Nous bralez. Nous bralez cri, m'a dit en créole et puis nous bralez crio. Donc, moun qui pas fait oublier et puis nous bralez affiché. Dans quelques secondes, moi pral afficher m'a ba 1 minute pour nous enjoy et puis n'a écrit voyez ba moi ni sous téléphone moi moun gars suivre moi yo là sous radio 91.1 radio la Tibonite mais nous même qui en bas live là ça n'a fait n'a bien pour nous écrire commenter dans live là pour nous faire phrase aujourd'hui n'a pas prendre fait question et nous pral répondre en même temps. Bralé première question m'a dit en créole qui Jean ou relé c'est pas bien simple m'a commencer bababa pour nous monter en même temps n'a travail n'a partager live là chaque monde qui monter partager et puis commenter encourager moun yo pour partager live là encourager moun yo pour partager live là parce que ça n'a fait à li important faut que tout monde participe.
sur la Tibonite. Jean Oulé, ou relé, question c'est qui Jean Oulé, ou bien en créole, en l'autre façon qu'une gars dit ça, qui non ou? Bon mal gade. 36-51-23-64, pas oublier que ou sur Radio Latibonite, ou à suivre émission DLS avec Teacher Daniel. Bon mal gade, qui est-ce qui commente, qui déjà commente pour bail réponse yo là? Mais tout innocent, rien spécial, mais non, mais ou capable plus toujours que ça. Ok, Myrlène déjà dit What's your name? Moi gen Abdias qui dit What is your name? Bon bagay, ouais, n'ap suiv jamais prononcé pour nous là, parce que la parole vraiment difficile pour tout le monde entrer pour prononcer. Radio Latibonite. What is your name? C'est ça, Abdias dit. Obanet dit What is your name? Wislen dit What your name? Li manque mon bagay, oui, Wislen, nous pralouer tout à l'heure. Hey, partagez live là, please. Erlin dit What's your name? On l'autre moun ki sur radio qui veut participer, allez sur Anglen tout partout sur YouTube, vous pouvez participer, même l'op tande émission en même temps, vous pouvez participer dans show que n'a fait là sur YouTube là. Jameson dit I'm here. Where is Timson? Timson, where are you, brother? Hop, et puis il y a Gilda ou bien Gilda, I don't know, I'm sorry, qui dit What's your name? Galtes qui dit What's your name? Telsen dit What your name? Est-ce que c'est ça? Nous gagnons Coffee qui dit wait for me. Coffee qui dit What's your name? Et puis Telsen corrige ça le 21, il mettait What is your name? Même Jean Magda dit Magda Pierre dit What is your name? Et puis Antoine dit What's your name? What's your name? Et Innocent dit I made a mistake, c'est ça. Et Gilda dit What's your name? Ok, Innocent, pas gain apostrophe, sous mettez es la normal ou pas besoin de mettre apostrophe. En ouais, qui ça, Jean? Et Jean, Joël Jean dit, What is your name? C'est ça, Joël Jean dit. Et puis, moi, gagne, bon, pas être commentaire, yo. Moi, gagne Emmanuel qui dit, What is your name? Qui est encore, moi, gagne Nancy qui dit, What is your name? Jean-René qui dit, What is name? Est-ce que c'est ça? What is name? Qui Jean Ourele? What is name? Et puis pas gain point d'interrogation. Yolène dit What? Yolène Alphonse dit What is your name? Mais il pas gain point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça? Et puis moi gagne Galens qui dit What is your name? Correct. Now let's see the answer. On a regardé réponse là, c'est la réponse là. Nous pourrions regarder réponse là qui a pas affiché. Mais réponse là. Okay, réponse moi affichée à mettre les qui non ou qui j'en relé qui j'en relé bon on connaît créole là l'aime dit What's your name? Qui j'en relé l'aime dit What is your first name?
c'est qui non m'baka di qui prénom en bon créole m'baka di qui prénom qui non si sou di what's your name sou di what is your name c'est monté pour orienter nous plus parce que ça a déjà été écrit ou ka di what's your name c'est bien mais qui j'en relé en terme m'a demandé non prénom moi dit en bon créole qui j'en relé ou bien qui non ou capable dire ça en anglais what is your first name c'est m'a demandé sous prénom en créole ou dit qui j'en relé ou bien qui non et la mettre wa c'est forme contractée a et forme normale là c'est ou que mettre entre parenthèses. Pas de problème en aller kounia et nous pour aller mander nous pour aller encore guys qui et qui s'y a-t-il ou kounia parce que demander qui non comme en terme de prénom nous pour aller demander qui s'y a-t-il ou kounia n'a fait en créole nous n'a fait en créole puis en créole anglais qui s'y a-t-il ou buenos tardes señor yes. Como está usted? Me gustaría hablar inglés perfectamente. Bien, quiero que me aude. Vamos a enviar por no sé, porque esa. La gente va a remenir, me va a confinar la de no conocer. Eh, gracias a Monsieur Bonnel, la map. L'anglais a son langue qui est jaloux, m'pas caché dit nous ça et puis nombre de cause temps même après ça m'ta supposé que t'en loin commencer à plusieurs reprises dem c'est pas parce que espagnol difficile non mais c'est parce que temps hein temps c'est temps. Jean-René dit la montrer mes espagnol à mon cher ou pas même besoin faire un mois comme mon cher ou montrer me parler espagnol. Guys, you don't know. Pendant moi apprendre parler anglais, c'est laisse ça me venir comprendre créole. Puis bien moi capable faire analyse entre créole avec français. Donc apprendre anglais utilement en pile, apprendre anglais, apprendre une autre langue et apprendre une autre langue permet de rester jeune dans l'esprit ou apprendre une autre langue. C'est ça qui fait que de moun là yo commencé rivé dans 60 yo 70 ans yo fait de thérapie ça yo apprendre l'autre bagaille pour qu'un esprit au jeune radio c'est ça booster mémoire. OK pour on aller répondre avec on aller ouais commentaire moun yo et sous question ça qui te dit qui s'y a-t-il ou Nivoz merci. Game message et me pas songer à lui non mes amis. Hello teacher, I'm Violon. My answer is what is your name? C'était ça et Violon te dit. Merci Violon. M'attendais aimé. Mes amis, fait live là arrivé plus que 200. Parce que moi là à 64 14 moun. Ah ça c'est son pitance hein. Ça pas commun. Et puis moi gagne Manou qui dit non là c'est passé. Good job c'est ça Vaona dit Félix n'a descend dans question qui te dit qui s'y a-t-il ou qui s'y a-t-il ou. OK, what's your first name? C'est ça Wisler ba m'afficher. Wisler lui dit en alwe qui ça Magda dit what is your first name? Très bien. En alwe qui ça Vierge Mandy what is your last name? Et ensuite moi gagne Yolène qui dit Yolène Alphonse qui dit what is your last name? Très bien. Nous alwe réponse tant tout et même penser que nous pas nan erreur moun sa yo m'gay Abdias qui dit what your last name est-ce que c'est ça Abdias ou pral garder pour voir réponse là parce que c'est ça n'a fait jodi à là en aller avec Antoine et qui c'est Antoine dit what's your last name et OK Antoine ensuite nous gain Hudson Kangé qui dit what is your last name en aller plus rapide parce que le app machine gain plusieurs bagages. Dabel qui dit what is your last name nous gain
Nous avons Mackenzie qui dit good job. Merci Mackenzie. Nous avons Weasley qui dit what is your last name? Pas commenter deux fois pour pas plus. Nous avons James Tulise qui dit good job teacher. Thank you. Nous avons Coffee qui dit what's your last name? Et puis nous avons Madame Sergo François qui dit wash hands. Merci pour message wa Madame Sergo. Nous avons Manu La Santé qui répond à une question qui dit my last name is. Ça c'est répondre à une question. Hein? Nous avons Verona qui dit what is your last name? Radio La Tibonite. Son kanje, I speak four languages. Congratulations, brother. On parle quatre langues, Hudson. Très bien, Hudson. Très bien, très bien, très bien. Moi-même, forme konon bagay nan chinois. Parce que depuis longtemps, ma vie chinois. Mais malheureusement, boy, ici, elle a vraiment difficile. Ça veut dire, rêve, moi, c'est pour me vivre la Chine quand même. Pendant les deux ans, la fait plaisir. Je vivre dans le pays ça. Même ça fait longtemps que je dis ça et puis je vis là quand même. Nous pas besoin d'inquiéter, nous pas visiter là pour me vivre parce que c'est ma culture. Muchas gracias, Señor Daniel. C'est ça et Señor Bonheur dit. Merci, Señor Bonheur. Comment santé aille? Hier, mon prêt téléphone pour m'écrire, mais vous connaissez pour les petits nous ne pas le fond de la vie, nous ne font des ordres. Et l'on est petit, petit, c'est comme ça. Et puis, je viens passer. Pas oublier, pas écrire pour me demander comment vous êtes. M'espère que santé allait bien. Ok, là, on allait afficher, réponse là rapide. Réponse là, c'est qui Jean ou qui s'y attire, Ok, qui s'y attire. Mais qui Jean qui a dit ça? This is the answer. What is your last name? On capable dire what's your last name? This is the contraction of what is. DLS. Live moi ap descendre et pas vrai. Fait si communauté pa non parce que moun l'autre moun yo gen communauté pa yo chargé moun là-dedans yo donc quand éducation en supporter en créer communauté pa nou américain fait comme ça français a fait comme ça ça veut dire ou pas joindre quand c'est éducation gon minimum ou ka toujours joindre monde là toujours chargé plaisir ou toujours gen droit gen plus moun nan plaisir mais gon quantité qui balancé et nan question éducation chaque groupe yo gen moun yo moun qui pour éducation, yo supporter ba éducatif. OK, on nous fait comme ça. Ça veut dire c'est pas l'éducation nous quitter le baba et puis l'autre bagaille et ba dit pas utile net, li gen doit pas tellement utile société a mais gon l'autre catégorie qui est utile et puis tout monde gonfle en balle. Non, laisse ça, nous pour ton préjugé. Li pas bon comme ça. Ça veut dire en quand c'est éducation, moun pour éducation, yo supporter ça complètement. Quand l'autre monde a fait pa yo après moun pa yo a supporter nous pas cap faire quand c'est éducation ti bay crab décourageant parce que comportement nous haïtiens nous décourageant pile jeune tout mais moun yo là qui là cap supporter ça déjà merci parce que sans nous même madame même gen minimum que me gen là même pas satisfait OK pas ko satisfait donc l'aime satisfait n'a pouel et nous même cap pouel tout Radio La Tibonite. Next question, are you ready? Question c'est qui ti non jouet ou? Qui ti non jouet ou? C'est comme ça en créole. Ou ka di ça deux façons, l'ou a di moun nan qui ti non jouet ou? Qui non jouet ou? Ou ka di moun nan qui non jouet ou ou bien qui ti non jouet ou? Hein? Qui non joue tout ou bien qui ti non joue tout on nous mettez ça en anglais pour moi qui non joue tout voyez message 36 51 23 64 et puis commentez en bas vidéo mais nous pensez que nous entendons des questions bien qui non joue tout ou bien qui ti non joue tout deux façons que nous dit ça en créole n'a mettez ça en anglais qui non joue tout ou bien qui ti non joue tout
Hein? On mette ça en anglais. Here we go. Here we go. Radio. All funny, li facile pour moun balé quatre langues, surtout la kay nou gen deux langues. Et si mon parle anglais qui est une langue qui très populaire, il parle espagnol, ça fait il parle quatre langues. Ou du moins s'il parle anglais ou bien t'es déjà parlé espagnol. Et puis il est allé à vivre dans un pays tant que Brésil. La facile pour lui de parler portugais, ça fait le parler quatre langues. Question on a mis en anglais pour moi, c'est qui ti non joue tout? DLS. 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 Radio Latibonite. Ça m'a regardé nous bye bye mes amis. Hello Marie Gladys. Très bien mon yop marché là. Bon titre mes amis. Let me read the messages. Ba mwen li mesaj yo. Mm-hmm.
pourrais changer méthode là tout à l'heure là. Qui dit what is your nickname ben m'afficher commentaire yo de sorte pour nous ka ouais et nous commencer depuis en l'air et puis en l'air et n'aller OK comme on dit what's your pet name ça c'est all funny qui dit ça what's your pet name disons. Hey, Margaret, let's see what is your nickname? Et puis nous avons Manu qui dit what's your nickname? Et puis dernier qui dit what is your assurément là dit middle name, c'est I après M non? DLS. Et puis il y a Jean-René Etienne qui dit what is name play? Est-ce que c'est ça? Nous avons Hudson qui dit what is your surname? Est-ce que c'est ça Hudson? Innocent, what is your first name? Nous avons fait ça déjà. Quoi c'est lui Innocent parler? What is your nickname? What your nickname? Est-ce que c'est ça? Et Frisnel. Emmanuel, what's your nickname? What is your middle name? C'est ça Weasley a dit. What is your surname? C'est ça Pierre Emmanuel dit hein. Bon belle interaction là. Obanet dit what is your middle name? Est-ce que c'est ça Obanet? Et bien bien madame Sergo qui dit what's your last name? Est-ce que c'est pas un message en l'air qui vient ça ne fait avant qui vient en retard? Nous avons Antoine Ken my love qui dit what's your nick name? Est-ce que il est détaché? Est-ce que c'est comme ça l'écrit? On a loué encore moi gagne Wendy qui dit what's your middle name, est-ce que c'est ça? On va changer méthode là tout de suite après question ça pour nous faire mieux pour nous gérer le pas oublier une 50 questions pour nous bail. What is your pseudo name, est-ce que c'est ça Magda Pierre? Jean-René, what is your name, your play? Est-ce que c'est ça, Jean-René? What's your surname? What's your nickname? Est-ce que c'est ça, Emmanuel Pierre? Jean-Pierre? Altes Kameus, what's your nickname? Est-ce que c'est ça? Non, Galoué? Bernadette, what's your middle name? Est-ce que c'est de ça qu'on parle là? What is your name? Merison. N'a pas tout à prendre de commentaires l'autre monde YouTube. Marie Gladys qui dit what's your nickname? Ça t'écrit déjà. What is your game name? Est-ce que vous avez dit ça, Kofi? What's going on, my teacher? Not much. We ain't getting there. Oh no. Hello, teacher. What's your nickname? Kitty non jouetou. Okay. Estas tomato. Comment prononcer ça là, teacher? Pas une discussion espagnol là, non? You come to call me, hein? Hey, Jean-René, you come to call me. What is your last name? Ouvine beaucoup l'espagnol là.
pas un problème non, et bien m'pa quitter comme ça tout non papa, m'a dégager moi-même. M'pa même quitter pour mon non papa. Hello teacher Daniel, how are you? I'm good, PJ. Bon, m'a vire ba là parce que message vient trop, dis ça pour me lire. Hello Frankie, y a pas un peu de temps. Hello, my name is Markins. Est-ce que nous partageons live là parce que live là complètement descendu. What's your nickname? I'm happy to hear you, teacher Daniel. Good job. Thank you, Marison. Merci. Agua. Est-ce que j'ai à prononcer en espagnol? Oui. Oui, c'est J qui va prononcer. Qui prononce dans le coup. Pas prononcer, non, qui prononce dans le coup H. Ok. Nous allons. On a le qui est qui gagne. Gagne. On m'a dit, what's your pet name? Ou capable de dire, what's your pet name, too? Numéro 3, c'était what is your nickname ou bien what's your nickname pour non pour forme contractée. Si on me dit what's your pet name, it's not a problem. Parce que nickname non c'est sinon jouet. Si on me dit what's your surname, là, surname anglais, yo, moun ki en Angleterre dit what surname, moun ki aux États-Unis yo dit last name. Surname non c'est lick last name non. Surname non pas veut dire surnom. Ninja la kay nous dit surnom, ça veut dire sinon jouet. Yo pas fait comme ça en anglais. Surname nan vle di signature. Surname nan vle di siati. Maintenant qui j'en m'a fait? M'bra le fait, m'a montré non, m'a mette m'a di en créole et rapide et puis en plus m'a pe montré nou yo en anglais, m'a prononcé pour nous et par la suite l'aime fin avec 50 là. Nous pral faire game konya moi même ba nous n'importe pour nous mettre en anglais de sorte n'a get en way parce que gen moun ki gen droit pa ko habitué avec qui pa ko connaît bien et bien l'aime ça bon ça t'a bon tout you n'ta pas prendre de l'autre mais là nous pas gen temps parce que si nous gen là li chronométré. Here we go now. Number four, question four is, let me say that in Creole first and after we're going to pronounce in English. In Creole, qui non maman? Comment vous dites ça? Nous pas besoin de commenter encore. Si nous commentons, nous commentons l'autre bagaille, mais nous pas besoin de commenter ça. Yo, parce que nous pouvons afficher sur l'écran. D'accord? Qui non maman? Ok? Qui non maman? Comment vous dites en anglais? Qui non maman? Ça veut dire qui j'a maman relé, qui non maman ou? Qui non maman ou? En anglais, qui j'a ap di ça ou bien sou pa vle di ça ou ka di qui j'a maman relé en créole plusieurs façons. Pa bliye mzi non gen l'autre moun ka profite de créole là. Ou bien on capable di qui non pap qui non maman ou? Qui j'a maman relé en même temps nous gen on l'autre même question hein sous maman et puis nous dit qui non papa ou? Ça veut dire n'a pas prendre deux ça ensemble. Qui j'a papa relé? Ok? Qui non maman? Qui j'en maman relé? Qui non papa? Ça veut dire qui j'en papa relé. Comment yo dit qui non maman avant en anglais? Ou dit qui non maman? C'est what's your mother's name? Nous gen ça n'a prele on voice TH là, côté TH à li vibre. M'a dit mode. Mon cher, mode là, mode a dit m'kaiment li pa voye m'nan. Il va voir me connait avec la faculté ah non l'a quitté me inada Saint Marc et ça mordé a dit parce qu'il pas vle mal en vagabond l'autre bord c'est pas mordé soit pas parler créole genre me saute doula là ou ka dit mordé ou chien pas mordé ou yo pas prélo la justice yo pas calo vous comprennent si tout langue pas langue bord ou grand monde you are grand monde you can do what you want OK mais si que ou vle parler anglais normal ou a dit mother. What's your mother's name? Kounia, moi mette un apostrophe nan what's qui fait
qui c'est la forme contractée. La forme contractée, c'est lorsque moi dit moins remè manger et la lou ou bien kalalou. Eh bien l'or dit moyen ou voulez retirer toute bagaille tout et diminuer même genre américain peuple ça remè réduction ben dominicain pi mal encore. Dominicain sont l'autre encore. Il va prononcer s. Donc ça va faire ou a dit au lieu de dire moins ou dit eh ben c'est même genre en anglais l'or dit what là c'est what is lié c'est what is les m'a fait linking liaison moi dit what is et si vous voulez parler moi toujours by conseil sur liaison ou dit what is your name OK si on m'a demandé parler de nom mais si m'a dit qui normalement m'a posé question what's your c'est m'a mis sur la forme contractée. Donc comme m'y être pas corrélé s'il vous plaît. Bam les quelques messages là, mes messages yo mon yo a écrit moi là, moi pas collé message yo. OK, what's your last name? OK, ça c'était violon. Aïe mes amis, pas corrélé moi c'est pas corrélé. OK. Donc si m'a dit qui j'ai maman relé, me dit what's your mother's name. Aïe. Hey, moun yo abrele moi. Bam pour appel ça toujours. M'a prendre deux micro là. Mes amis moun boko zelio après les man rich me saluer tout monde pas courir les s'il vous plaît. OK, qui ça me devait aller là? Et c'est parce que après mother a gon apostrophe. Gon apostrophe s encore. Est-ce que là moi gagner la forme contractée de is là? Non, ça a eu le possessive case. Ça a eu le cas possessif si m'a dit la voiture de Daniel, moi dit Daniel's the car of Daniel en anglais the car of Daniel moi dit Daniel's car moi prend possesseur moun ki possédé a moi mettez l'avant et puis moi mettez un apostrophe est-ce qu'il y est ça le possédé qui ça le possédé c'est une voiture moi dit Daniel's car eh bien là il dit mother's name le nom de ta mère moi dit your mother's name d'accord c'est maman qui gagne nom. On a comment m'a dit qui j'ai pas pour relé ou dit what's your father's name c'est bagaille basique toujours DLS DLS il y a des monde qui pas connait qui non maman c'est what's your mother's name attendez ça et prend ça nous garder ça parce que là on va faire petite pratique dans fin cours là l'a déjà marché faut aller plus rapide. What's your mother's name? Qui non papa ou bien qui j'ai papa relé? What's your father's name? Maintenant, si m'a dit qui côté ou habiter? En créole, on dit qui côté ou habiter ou bien qui côté ou à vivre? Qui côté ou à vivre ou bien qui côté ou habiter? Yo font liaison en créole là, qui côté wap? C'est qui côté ou à vivre? Yo font liaison, yo dit qui côté ou vive. OK, même Jean pour yo dit qui côté ou habiter, yo dit qui côté ou habiter, qui côté ou habiter. Qui côté ou habiter. Mais qui Jean yo dit ça en anglais. Mais qui Jean yo dit qui côté ou habiter en anglais. Where do you live? C'est si on moun dit live, pas de problème, mais pour anglais américain l'on dit faut très véatif parce que entre live sous dit mon live là la voix L E A V E qui signifie partir laisser quitter
Mais ça c'est where do you live? Qui côté ou à vivre? Qui côté ou habiter? Where do you live? Where do you live? Hey, where do you live? Qui côté ou à vivre? Where do you live? Maintenant nous pour aller dans numéro 6. Qui numéro téléphone? En créole, il dit qui numéro téléphone? Là, dit ça en créole, qui numéro téléphone? Qui Jean pour dire ça en anglais? Ou dit what's your phone number? Ou dit what's your phone number? C'est what's your, what's là c'est what is, quel est, what is, qui sous la forme contractée qui by what's. Your phone number, c'est nam, nam, même j'aime c'est un mauvais nam sous lui, c'est son salbo, nam, pas dit number one, même j'aime m'apprendre des spots publicité boy sit, mon nan dit ah tel bagay c'est number one. Yo pa di number one, mba tande yo di l konsa, mba wel nan diksyonè konsa, mwen se number one. Paske yo di numero number, ou pa di numero number. Mwen apre pren bou nou la, what is your first name? Lo apre pou nou ap di my first name is Intel. Ou ka toujou repon I am Intel. Ou ka toujou repon Jean Vle. Men what is your name? My what is your first name? My first name is. Se my first name is. My first name. Se pa name, se name. What is your first name? My first name is Daniel. Deuxième question, what is your last name? My last name is Aneus. My last name. Anglais tabdou, what is your surname? Qui signifie last name, non? Américain plus dit last name. What is your surname? My surname is Aneus. What is your last name? My last name is Aneus. What is your nickname? My nickname is Dao. Un exemple. Ou quand tout le monde gagne sinon jouet yo. My nickname. Pas dit surname pour nickname parce que surname veut dire signature. Yeah. Oh, m'gagne plus de m'gagne environ 40 commentaires, mais faut me rester là après m'a plié tout à l'heure. Et what's your mother's name? Ou après répondre my mother's name is. Gan pile monde qui connait dit my mother's name non le fait que vous fait possessif la mother's la qui avec apostrophe s qui dans mother's name là yo pense c'est verbe être yo dit mes amis partager live là live moins baisser m'pas d'accord ça et m'pas d'accord ça guys merci un pile et gen moun ki pase lèw di my mother's name nan sa ve di ou te getan di verb et non apostrophe s ki nan devan mother a li pa verb et li se ka possessif ki liye mother a avec e name nan faut di is ki signifie non le nom de ma mère est my mother's name is se même j'aime de ka di the name of my mother is the same for the name of my father is ou bien my father's name is. Where do you live? I live in. Soit by yon lieu tant kou yon ville, yon pays, I live in. For example, I live in Saint Mark. Bon, m'di Saint Mark, lem di Saint Mark, c'est parce que m'a parlé anglais, mais non pas changé. Non pas changé. Même Jean Monsieur Jean Denio, et m'gen kek confrères nan question anglais longtemps, monsieur. Nèg sa ou konlè, ba m tou ba nou ti blag sa, m'a pa pran anglais et puis gen deux nèg sa te nan anglais passé avant et puis chaque jour m dede nèg yo di you know man I'm going to John Deny. Ba jam contact John Deny la. Chaque jour m'a tande parce que moi-même mon petit Jean très réactif, moi tande avant m réagir, m pa kou réagir parce que surtout l'on pa konn on ba on petit Jean fermé zèl ou. Donc
Monsieur dit chaque jour, you know, man, on the weekend I will go to John D. Nye. Okay, John D. Nye. Je pose peut-être une question. Est-ce que John D. Nye là, c'est un Molière qui s'allie? Eh bien, qui ça, monsieur, au fait? C'est Jean Denis, on zone qui est le Jean Denis dans la Tibonite, pour l'autre monde capteur de Yola, mais monde qui capteur de Saint-Macio, ou bien monde capteur de Gonaïvio. On zone qui est le Jean Denis, monde capteur de Jean Denis, ou tout me salue, non? Eh bien, ils prennent non Jean Denis, et puis ils bourrent en anglais, carrément. Ils disent, oh, oh, l'aime vin, comment on l'aime demander, on l'autre ami, qui ça John Denis là? Parce que je ne peux pas comprendre ça John Denis là. Monsieur obligé dit mon cher c'est Jean Denis John Denis là pour prononcer en anglais ça veut dire anglais a tellement coûte sur. On dit mes amis John Denis. Mais haïtien pas dans sa voix. Li voyer bara là en John Denis pendant c'est Jean Denis. Donc pas faire comme ça et pas changer nom complètement. Leur changer nom par exemple si nom relé Jean Denis ou dit John Denis ça encore et difficile il y a encore drôle mais sinon ou prononcer le même genre gain des côté r là alors parler anglais ou a bien tendance pour bailler r là ça fait étranger à par exemple l'abdou saint marc c'est parce qu'il y a pas gain r dans langue parle là il pas parler du saint marc il pas parler français un américain pas parler je me dis oh do you live in saint marc saint marc do you live in saint marc saint marc non il pas jamais dire comme ça li connaît R li même la de Dieu le Saint Marc c'est complètement différent c'est ça que les moun a parlé anglais parfois li connaît une petite tendance et let yo kon fait mais faut éviter sinon t'aller là on va dire des salines et c'est des salines on va dire pétion c'est pichon pichen on anglais tellement fort on va dire pétion moi j'aime et anglais m'a parlé qu'on a pétion va relever pétion encore c'est pichen. Oui, et pas mal ça, attendez. Donc, pétion était pétion, mais qui côté, ou qu'on a un R là, c'est une lettre qui a un pile problème. Et français a un pile problème avec quand il a parlé anglais. Ok, where do you live? I live in Saint Marc. Ou bien, je me dis, ma petite poule, je vais me dire Saint Marc. Ou R là. Et puis, what's your telephone number? Qui numéro de téléphone? What's your telephone number? My telephone number is, for example, my telephone number is 3651. Vamos reprendre pour nous. 3651-2364. OK? C'est comme ça, moi, by numéro téléphone. Moi. Pas dim 26, c'est de 0 jusqu'à 10. Jusqu'à 9 ou besoin qu'on compte pour bay numéro téléphone. Ça veut dire si m'a dit qu'on compte de 0 jusqu'à 9, ça veut dire m'a dit 0 5 depuis numéro téléphone 3 4 2 1 0 3. C'est comme ça bay numéro téléphone en anglais. Yo pas dit 51. Ou pas besoin qu'on compte tout ça yo pour bay numéro téléphone en anglais. What is your email address? Email address. Ça, monsieur, vous avez dit email. Partagez live là, s'il vous plaît, mon YouTube. Yo. Et puis, l'autre, mon yore les voisins, ou bien mettez speaker pour tout le monde capable d'entendre yon émission comme ça. What's your email address? C'est pas email, c'est email. Email. What's your email address? C'est address les D à combiné à R là, li ba mon son dr. C'est ça qui fait les mettre D R Y, mettre Y après D R là, li ba mon dry qui signifie sécher. Et ça mon boy c'est les dry clinic là. Li ba maman, li ba papa. Mais you are tiré anglais amen. You are tiré anglais amen. OK, ou dim dry cleaning. Dry, non, c'est dry cleaning. Yo kon di, bon, maman, ben là, vous comprenez? Ok, ou di, dry, même j'en l'ai dit conduit, ou di, drive. I'm driving. Driving, I got my wheel. Moi, gen volant devant nan la, steering wheel. Moi, gen steering wheel, moi, m'a viré. M'a conduit. Moi, gen, moi, di, drive. What's your email address? Ou di, my email address is, for example, my email address is Daniel Aneus. Comment ou di a commercial, c'est pas arobase. OK?
Bon, on pas connaît même pas ouais ou dit comme ça, on pas joindre ni comme ça. Eh bien, si nous a que nous relé à commercial nous même non, eh bien il prononcer comme at, at comme préposition at. Même j'ai la préposition at. Partager live là. Préposition at. Moi bien à commercial la prononcer comme at. Moi dit my email address is danielaneus@gmail. Si ou bien si c'est Gmail ou bien Hotmail ou bien Yahoo. Dat. Là ben email ou en anglais ou pas dit .com ou dit .com. Si c'est .fr ou dit .fr. En anglais, ou pas dit point, yo dit dat, D-O-T, ça prononcé comme dat, dat com, ou dit ça, www.dat.com, ok? C'est dat com, c'est pas point, point, ni, c'est pas ni point, ni point com, c'est dat com, C-O-M, non, c'est comme com. Next question. What's your favorite food? One of the most difficult words, favorite. Nous apprenons nous ça déjà dans l'émission. Partagez live là s'il vous plaît. Moi pas gain sans monde. Oi, it's a shame. Hein? Tout petit monde. Come on guys. Partagez live là. Faut moi sans monde au moins balancé. Come on. Et puis pour l'autre samedi pour me gain plus, l'inviter l'autre. Hein? It's free, c'est gratuit là. Comment vous me dites, comment vous me dites, qui mange préféré ou bien qui mange au remet, qui mange au remet? Comment vous dites ça en anglais? Qui mange préféré ou bien qui mange au remet? Vous dites ça en anglais? What's your favorite? Le mot c'est favorite. Si pas qu'à dire favorite, plutôt dit what's your preferred food? What's your favorite food? Ou bien what's your preferred food? Favorite. Li écrit en coup favorite, mais li prononcé comme favorite. C'est pas favorite ni favorite, c'est favorite. What's your favorite food? What's your favorite car? What's your favorite song? What's your favorite player? Ou bien capable de dire what kind of food do you like? C'est pas seulement only one way, it's not only one way. There are plenty of ways. There are many ways. Here we go. Il y a plusieurs façons qu'on capable demander mon qui ça qui préfère. Par exemple, qui mange préféré, qui machine préférée, qui chante préféré, qui animal préféré. Ou capable dire what's your favorite plus bagay là. Ou bien ou dit what kind of. Ou mette bagay là et vous dit do you like. What kind of telephone do you like? What kind of broadcast do you like? Ou capable dire ça. Ou bien on dit what's your favorite. What's your favorite word? What's your favorite teacher? What's your favorite beat? What's your favorite music? What's your favorite car? Ok, là nous fin apprendre comment pour nous dire qui ça ou remè, qui mange préféré ou qui avion préféré ou. Qui caille préféré ou? What's your favorite house? Maintenant, si vous avez dit qui boisson préféré, vous avez dit what's your favorite drink? Boisson, on dit ça drink, comme yon nom, drink. Le mot drink, pas bien de dire DR à la bombe son djou. M'vin gen ink, pou kont li vle di lank. Oui, m'basse c'est ça, hein? Bon, m'cheke moi. Oui, et c'est ça. L'encre. Qui boisson préférée? C'est what's your favorite drink? Qui boisson préférée? What's your favorite drink?
DLS. DLS. Maintenant, kounya, si wap di, et maintenant, si wap di yon moun, ki sa ou fè nan tan libou? Ki sa ou fè nan tan libou? Ki sa ou fè la ou libe? Ou di moun nan, ki sa ou fè la ou libe? Fè nan tan libou yo. Et bien réponse là c'est comme on vous dit ça en anglais c'est what are your hobbies. Ou bien on capable dit moun nan, ou capable poser question ça comme ça ou dit what do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Ou bien ou di moun nan, what are your hobbies? Le mot c'est hobbies, passe-temps yo, temps libre yo. Ou capable répondre I read, I play games, I watch TV. All kinds of activities that you can do in your free time or in your hobbies. Nan tan libou yo c'est ça yo k'ap fè. Non ouais numéro 10 n'a pas numéro 10 encore le son et ouais le temps pour moi corriger l'autre 10 là la prendre trop temps là pour corriger tout. Mais kounya si n'a préposé question pas oublier qui j'aime dit qui j'en pour dire qui ça préféré. Kounya n'a posé question pour nous dire qui sport préféré. Comment on dit en anglais qui sport préféré? Yes, moi gagne 100 moun là plus moun toujours. Good job pour aller te balancer là 100 moun qui a interagi avec et me veut ba nou yo là et nous ka retendre live là, regarder live là encore. Moun ka tande mieux ka sur YouTube tout pour regarder live là, pour regarder tout bagay yo pour ka bien prendre note. Eh bien, c'est ça que fait m'pa faire même show m'ta faire parce que la prend tout temps parce que m'di dans thumbnail là dans dans couverture que nous ouais qui dans vidéo là, m'di c'est 50 et vocabulaire, 50 phrases, 50 questions disons que nous a pas prendre jodi a. OK, qui est sport préféré parce qu'en créole on dit sport. Qui est sport préféré? Kembe sans moun nan pou mwen parce que m nan 96 toujours là, li descend. Qui est sport préféré? Ça veut dire qui sport préféré ou bien qui est sport préféré? Qui est sport préféré? Eh bien en anglais ou dit, nous t'ai déjà connait comment pour dire préféré a, nous dit what's your favorite sport? Ou ka remplacer what's your favorite game to? Ou ka dit game jeu ou bien sport. Bon, là, dit sport là, ou généraliser ça. Eh bien, ou va répondre, my favorite sport is. My favorite sport is. Sport préféré, c'est. My favorite sport is. My favorite sport is. Maintenant, si m'a dit chaque qui l'air ou al nager, ça veut dire ou al fait nager dans piscine ou bien dans la mer, chaque qui l'air combien fois ou du moins chaque qui l'air combien fois ou aller nager. OK? Combien fois al nager ou bien chaque qui l'air ou même ou aller nager. DLS. Radio. 91.1 FM. Chaque qui l'est ou al nager ou bien chaque ou bien combien fois ou al nager la n'a dit combien fois al nager dans semaine nan, combien fois al nager dans mois
combien fois nager na nea et bien chaque kilo bien combien fois ou aller nager. Combien fois ou aller nager? Eh bien, où dit ça en anglais et combien fois al nager ya? How often? Le mot c'est often, ou ka di often tout si ou c'est anglais, soit vivant en Angleterre, mais américain dit often, t a pas prononcé. Often. Faut qu'on qui ça va parler. How often do you go swimming? How often do you go swimming? Chaque kilo ou al nager ou bien combien fois ou al nager. Et là, utiliser adverbe de fréquence qui c'est often, c'est nombre de fois ou abay. How often do you go swimming? How often do you go to Jack Mel? Radio La Tibonite. How often do you go to USA? Combien fois ou aller États-Unis? Maintenant, si m'a dit, ou bien un Tibet, ou bien un Tibet ou remè, ok, n'a pas commencé avec ou bien un Tibet, ok, ou bien un Tibet, est-ce que ou un Tibet? Nous avons la question de gens étranges, je dis le tout, mais est-ce que ou bien un bête? Laisse m'a parler des animaux. Est-ce que ou un bête? Ou bien un bête, mais là, quand nous nous plus, c'est qu'on dit ti. Est-ce que ou un Tibet? Ou gon ti oiseau, ou gon ti cochon, est-ce que ou gon ti bête? Qui Jean yo di est-ce que ou gen yon ti bête? Ou di est-ce que ou gen yon ti bête? Ou di do you have a pet? Lorsque m'a parlé d'un ti bête, un ti oiseau, par exemple ti lapin, eh ben on dit pet. Do you have a pet? Ah, mettez deux you dans ça là et bon, il fait deux you fait you 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 plus you fait you you. Ah bon, il fait you you. Bam corriger pour nous. Et yeah. OK. On aller là. Est-ce que vous avez un petit bête? Do you have a pet? Do you have a pet? Est-ce que vous avez un petit bête ou bien est-ce que vous avez un petit animal? Do you have a pet? Yes, I have a pet. Ou bien no, I don't have a pet. Mwen pa gen yon ti animal. Maintenant nous pralé avec qui film ou pirèmen ou bien qui acteur préféré ou? Question ça a deux volets. What's your qui va me dire en créole encore qui film ou pirèmè et qui acteur ou pirèmè ou bien si m'a dit qui film préféré ou qui acteur préféré ou comment pour me dire ça en anglais et message moi boîte message moi gèlè plein et puis message yo pa ka vini parce que moun yo a écrit là sérieusement bon comment c'est supprimer quelque le marché sous moi là est-ce que m'a gagné en prend 50 là c'est ça m'a regardé parce que l'elle sous plateforme là n'a pas regardé les joignio les nous voulez pour nous retendre yo encore une fois li pas mon problème pour nous DLS Eh bien, pour me dire qui film ou pirèmè en anglais, moi dis ça en anglais. What's your favorite movie? Nous sommes question favorite là. Si vous parlez dit favorite, ou toujours dit prefer. What's your prefer movie? Ou bien ou capable toujours dit what's your prefer film? Ou yo prononcer le mot film en anglais. What's your prefer film? Ou bien what's your favorite film? Ou capable dit movie tout. What's your prefer movie? Si m'a dit qui acteur préféré ou dit what's your favorite actor? Eh bien,
et si m'a dit qui actrice préférée ou parce que acteur li gen yon nom en pluriel qui irrégulier moi dit what's your favorite actress acteur ou dit acteur ou garçon hein ou fille ou dit actress d'accord actress donc ou retire oa ou mettez r e s s d l what's your favorite actress bien what's your favorite actor pour acteur what's your favorite movie pour film nan qui film préféré what's your favorite movie qui acteur préféré what's your favorite actor qui actrice préférée what's your favorite actress OK actress Radio Latiboni qui côté ou aller l'école mais en créole yo plus remen di nan ki l'école ou ye c'est comme ça yo parler la caille nous nous di nan ki l'école ou ye nan collège mixé Benezer nan ki l'école ou ye comment yo di ça en anglais nan ki l'école ou ye ou bien nan ki l'école nan ki côté ou à l'école nan ki l'école ou ye ki côté ou à l'école c'est comme ça en créole ou capable di ça en anglais where do you go to school where do you go to school c'est pas school c'est school where do you go to school I go to school at Ebenezer college mix Ebenezer m'aller l'école dans college mix Ebenezer ça c'est un exemple capable mettre dans l'école ou donc if you go to school ou gen une classe que ou a fait soit aller l'école qui Jean pour dit qui côté ou et qui classe que ou même ou a fait pendant que ou dit ou aller l'école là qui classe ou a fait qui classe ou a fait donc si ou aller l'école ou gen classe ou a fait qui classe ou a fait dis-moi qui classe ou a fait comment pour dire un monde pour mander un monde qui classe la fait en anglais donc pour dire un monde qui classe la fait en anglais mais qui j'en ou dit ça ou dit ça en anglais what grade pas dit grade pas gain en anglais c'est grade si vous voulez parler normal même gens ou respecter français a ou respecter langue pour là ou voulez respecter langue moun yo tout pour parler bien mais on va dire what grade are you in what grade are you in ça veut dire qui classe ou fait I am in 6th grade I am in blablabla bla, etc. Donc I'm in terminal tel bagay. C'est qui classe ou fait? What grade are you in? What grade are you in? I'm in 12th grade. Qui classe ou fait ou parler de grade? Moyenne tout yo kon parler de grade. Maintenant et qui gens ou aller l'école haïtien dit qui gens ou aller l'école ça veut dire pas qui moyen ou aller l'école qui gens ou aller l'école qui gens aller l'école le matin c'est pas qui moyen ou aller l'école comment on dit qui gens ou aller l'école ça veut dire pas qui moyen ou aller l'école on dit ça en anglais, how do you get to school? How do you get to school? On va remplacer le verbe to get là par go. How do you go to school? On va dire how do you go to school? Ou bien how do you get to school? OK? Qui gens ont allé l'école? Pas qui moyen aller l'école. Donc on est capable de répondre I go to school on foot. M'aller l'école à pied, la kay nous-mêmes jeunes garçons nous pral l'école nous dit aller sous David Chele nous comprend les abats c'est bicyclette qui te gagne pas de gagne motocyclette et les ça c'était course mettre là ou quitter la caillou et puis quitter la caillou depuis dans 50 10 minutes là saute bien loin à pied avion yé moun pa ka jwenn nous non pour barrière pa ka fermer sous
connait mon arrêt tout près à l'al tout pas aller par un comme taxi bon c'est le c'est temps vous comprenez c'est ba yo capaché c'est comme ça ba yo yé c'est même j'allais grand mon yo a dit c'est sous brique de connal pas prince ou bien sous cheval m'a dit qu'est-ce ba loué ça yeah c'est comme ça. How do you go to school? I mean, how do you get to school? You say, I go by train, I go by bus. Okay? Moi di, I go by bus. Kap rappel, s'il vous plaît. I go by bus. Ba yon pil nan même jodi la. I go by bus. Moi aller, pas bus, pas moyen bus. Donc, question quoi yon capable poser ou c'est, qui sa papa ou fait? Donc, même j'en mounan ka di, qui sa maman ou fait? Qui ça? Les monde dit qui sa maman ou fait? Qui sa maman ou fait ou bien qui sa papa ou fait? C'est dit li dit qui profession papa ou? Ah, ça papa ou fait. Et grand moun a dit qui sa papa ou fait? Ah papa ou fait. Bon ça ou fait dans la vie pitam. Bon qui ça ou fait? Les monde dit qui ça ou fait? Ça veut dire qui profession? Qui profession papa c'est qui sa papa ou fait en créole? Qui profession papa ou en anglais ou dit ça en anglais what does your father do qui sa papa ou fait ça veut dire qui profession papa ou on capable répondre my father is a doctor my father is a taxi driver my father is a salesman. My father is a teacher. My father is a businessman. My father is blah blah blah. Ou ka ajoute n'importe ça ou vle ya deyèl. OK? Bon, si moun ap di ki sa maman fè kounya, ça veut dire ki profession maman ou, li capable toujours l'autre façon pour le dire ça, pour dire ki profession maman ou, li ka toujours utiliser l'autre moyen. Men. L'autre moyen c'est what's your mother's profession? Qui profession maman? Donc l'autre a dit qui profession papa ou dernier a dit what does your father do? Qui sa papa fait? Ou même j'ai en tout cas dit what does your mother do? Qui sa maman fait? Leur poser question hein? Ah qui sa maman fait? What does your mother do? Qui sa papa fait? What does your father do? Mais quand ça tout dernier a dit what's your mother's profession? Qui profession maman? C'est même bagaille toujours. Qui sa maman fait? What's your mother's profession? Qui profession papa? What does what's your father's profession? Qui profession papa? What is your mother's profession? C'est comme ça il dit qui profession. Donc là poser question pour demander qui profession pas ou même il a dit what is your profession? Ou bien il dit what do you do? What do you do même j'ai dit what does your father do? Mais il est capable de dire what do you do? C'est une question qui très utilisée en pile. Le plus souvent on utilise l'expression ça qui dit what do you do for a living? Qui ça fait pour vivre? What do you do for a living? What do you do for a living? Qui ça fait pour vivre dans la vie? Qui ça fait pour vivre? What do you do for a living? Now they are talking about your profession. Il a parlé de profession. Qui ça ou yé? Ou capable dire what are you? They are talking about what are you? Qui ça ou yé en termes de profession? Bien kounya bon sinon pas fini avec question l'autre samedi n'a prend l'autre reste question yo et puis n'a tout fait intervention fait pratique la donne bon nous tout ouais ça veut dire m'a prêté dans 20 li rete 5 minutes parce que reste temps tout faut me garder quelques commentaires m'ai environ 120 commentaires que m'pa koli maintenant c'est m'a dit combien moun ou gen dans famille OK. Combien moun famille ou gen? En créole, on capable dire combien moun ou gen en famille ou bien on capable dire combien moun famille ou gen? Ou bien on capable dire famille ou gen combien moun? Il y a poser question ça, combien ou gen famille ou gen combien moun? Dis-moi non. Parlez-moi de ou non? Famille ou gen combien moun? OK? Mais il capable être un petit gens étrange, yo ka di combien moun ou gen en famille? Combien moun ou gen en famille? En pile fois on dit combien petite maman gagne
combien petite maman avec papa gagne. OK, yo kon di ça. Combien petite maman avec papa gagne. OK? Comment m'a capable di combien moun famille ou gagne en anglais? Ou di combien moun famille ou gagne en anglais en termes de question ou a poser ou di how many, c'est pas how, c'est how. Ou accentuer h là, pas bien faire, j'aime faire là parce que moi accentuer li pour capable ouais bien ça m'a dit ya, mais on pas besoin faire how. On ben on pas bien faire tout bail ça. How? Ouais. How many? How many people are there in your family? How many people are there in your family? How many people are there? Ça prononce comme there. How many people are there in your family? There, there, there. TH sound, voice TH sound. How many people are there in your family? Hey, how many people are there in your family? How many people are there in your family? Mais on va répondre par there are. Lorsque vous posez une question par are there, ou après répondre par there are. Si réponse ou pral bay la gen pluriel, si réponse ou pral bay la gen singulier, même le ou pose question avec there are, ou bien are there inverse la, ou après répondre par there is. Are you clear? Si ou pose mon question avec there are, mais réponse ou pral bay la son seul, il y a, oui, ma palé la. En anglais, en français, il y a, on dit seulement, suivi d'un nom pluriel et d'un nom singulier, mais en anglais, il y a divisé. Lorsque il y a suivi d'un nom singulier, on dit there is. Lorsque il y a suivi d'un nom pluriel, on dit there are. There are, there are. Eh bien, quand on va répondre si il y a un nom pluriel, eh bien, on dit there are. There are four people in my family. Il y a quatre personnes dans la famille. Ou bien, si c'est un seul, on va par exemple, on va perdre la famille, on va dire there is one person in my family. After me, there is one person in my family. Konya si ap di combien frère accès ou gagne? Combien c'est ak frère ou gagne? Combien c'est ak frère ou gagne? Combien frère accès ou gagne? Ou capable poser question ça deux façons, mais gen youn c'est youn moi mette là, m'ap di l'autre là. And my little beautiful, beautiful mouth. In my little beautiful mouth. M'ap di lan bel ti piti zuzit de bel ti bouche moyen. Ok. Ou kapab di question sa, combien frère accès ou gagnent? Ou kapab di, how many siblings? Le mot siblings, c'est S-I-B, ou kwa pas W-B-L-I-N-G, S. Siblings. Bon, moi, je check dans le dictionnaire parce que peut-être moi-même, c'est pas. Et maman, elle a lié. Je pas fin bien connaître tout. Ou bien, je ne vais pas faire tout. Et. Plus. Ok, c'est avec un seul bélier. Et. M plus par un, même par moun. Parce que je songe tout petit professeur qui te connaît un bon petit menti. Je me lève malgré le cas et mon gonou est imanti en anglais. Bah un problème avec eux d'après dem si ton langue pas même bouyo. Mais ça fait toujours honnête à tête moi les mabans en bagage. Sous mal comprendre ça fait gado. Ou pas qu'on gagne niveau ou pas qu'on gagne dimension pour comprendre ça. Même toujours bat pour bah avant on bat mutu. C'est moi connais moi teacher Daniel and we so bored about in the tennis. This is me teacher Daniel. DLS. Non y'a ça. DLS. DLS. Et moi qui t'aime à des langues là. Radio La Tibonite. Eh bien, siblings, c'est il y appelé comme S-I-B-L-I-N-G-S. Siblings, when you're talking about your brothers and father and sisters, your brothers and sisters are your siblings. Ok? Frère Axelio. Là, on parle de siblings, on parle de frère Axelio. Ok? A person who shares a parent. OK, maybe your brother, your sister, un monde qui partage même parent avec vous. Et puis ou capable dit tout, how many brothers and sisters do you have? Moi gen TH là dans brother.
brothers and sisters? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Lo apripon ou apripon pa, I have 3 brothers, 1 sister. Men sou pa gen, wap di, I have no brother, no sister. And no sister. I have no brother and no sister. Ok? Ou bien on kapab di, I have 1 brother and no sister. Ou bien I have 2 brothers and no sister. Or and no sister, I have 2 brothers, no sister. Donc nous étions là pour jeudi à pas oublier nous mettre dans thumbnail là à 50 questions et nous y venons 20 assurément li 21 parce que on qui dit 10 deux fois m'a corriger ça après pour nous donc n'a fin continuer pour nous arranger li n'a fait li l'autre samedi n'a continuer ben nous même ou bien pour le devoir pour garder vidéo à pour bien prononcer parce que m'a pas gain temps et puis l'en vini n'a fait pratique sous lit moun ka participer dans émission si vous voulez utiliser link là pour paraître dans écran là ou capable faire ça link invitation ou du moins sou ka rele sur radio directement m'ka ba numéro pour parler quel que soit côté avec quoi pour numéro international qui passer en bas ou capable rele m sur WhatsApp sous lit pour me faire parler tout. Tout ça, vous pouvez utiliser pour participer dans le show samedi Capral Vini. Mes amis, message en pile. Mucho. Ok? Beaucoup. Yomeni. Merci avec Innocent qui font bel travail. Donc, mali message en pile. Après, ma réponse nous chaque parce que le radio a déjà arrivé. Merci infiniment. I love you so much. I can't. Thank you enough. Baka remercie encore, baka remercie assez. Pour encouragement, préparez-nous pour l'autre samedi et pour que nous gagnions plus moun nan live là, plus moun apprenne dans émission ça qui gratuit, une émission gratuite. Hein, gratis. Donc n'allez, n'a croiser encore l'autre samedi. Au revoir. Bye bye.